Ok. Bonjour tout le monde, ici Vincent Studio pour la suite de Dofus avec les mêmes, hein, Loulou, Imagiro et Jake, et puis voilà, on est reparti. Donc, on a fait un peu de genre off-stream, pardon, pour ramener le shampoo banal à Imagiro. Donc je propose à tout le monde d'aller là-bas. D'aller voir Mayonnaise et de lui rendre son chapeau banal. Hop, c'est bon. Ah, faut le ramener à Paro Cabane. À Paco Rabanne. Et Paco Rabanne, il est à l'atelier des tailleurs, si j'ai pas de bêtises. Oui. Ok. Paco Rabanne. Je demande une prédiction. Non, c'est pas vrai. Il faut un crottin de dragon d'Inde. Quoi? Comment on a ça? Alors, on va tous à la taverne de la Chope en bois. Ok. C'est... Attendez, j'ai pas fini de lire mon avenir. Ah. Chope en bois. Alors, qu'est-ce que t'as prédit? Ah ouais. En attendant. Je vais être riche, j'aurai un bon taf et j'aurai des bons amours. Voilà. Eh oui, c'est pas mal. De belles promesses foutues en l'air. Ouais. Donc, après avoir parlé au monsieur tailleur. Tiens, j'en ai un deuxième. Je sais pas si tu. Chope en bois. Coucou, Draken. J'avais pas vu ton message avant. Désolé. Salut, Draken. Normalement, c'est bon. What? Ça coûte combien ce que tu m'as passé? Bah en fait, ça coûte moins cher que ce que je pensais. Ça dépend des serveurs, en fait. Oh, ouais. C'est la posture de ton pilotage. Ah, mais putain, ça marche sur terre, la monture ou ça marche sur... Sur la monture. Tu vas dans l'interface monture, tu fais nourrir et tu lui donnes la potion. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est par exemple, si je revends Mycorn, il aura la compétence et donc oui, je devrais en oui, racheter. Oui. Oh mon dieu. C'est ça. Mais est-ce que je le garde jusqu'au bout de ma vie, Mycorn, le Volcorn? Oui. Très bien. Donc ça me va, je vais te nourrir avec ma potion d'autopilotage. C'est pareil. Comment on fait pour faire de l'autopilotage maintenant? Ah mais en fait, tu l'as fini? Oui. Sur la minimap, tu fais un clic droit. Et tu fais voyager jusqu'à cette position. Oh, c'est trop bien. Alors, on attends, est des feignasses. Je clique dessus, c'est ça? Non, tu vas dans l'onglet monture. Oui. Tu fais en bas, t'as un bouton nourrir. Oui. Et tu lui donnes la potion à manger, à boire. Bonne idée. Ouais. Bravo. Maintenant, sur ta minimap... Tu fais un clic droit, donc il faut, on va faire un test. Tu fais un clic droit en moins 30, moins 65. C'est où 65? Ouais. Et tu fais voyager jusqu'à cette position. Vroom vroom vroom. C'est génial. Et voilà, il tire tout seul. Et puis ça prend en compte les pseudo chargements, il décolle avant. Oh, c'est trop bien, on va tellement vite. Alors juste par contre, il fallait faire quoi à la taverne? Rien. C'était juste le tapis le plus proche. Ah d'accord, ok. Pourquoi il y a marqué annulation du voyage suite à un changement de carte manuelle? Mais non, j'ai pas changé. Faut pas cliquer pendant que tu voyages. Ah oui, mais il bouge pas. Moins 30, moins 60. Alors ça me rassure, Marie-Noël a apprécié le repas. C'est écrit dans le chat. Voyage maintenant. Oui. Et là, la pop-up, elle s'enlève pas. Quoi? Fallait qu'il y en ait un qui bug, c'est incroyable. Un itinéraire a été trouvé pour atteindre la carte en traversant 5 cartes. Oui. Pouvez-vous démarrer ce voyage maintenant? Oui. Ok. Et oui. Là, annulation du voyage de monture suite à un changement de carte manuelle. Eh ben bouge, change de carte tout seul. Ouais, donc en gros, je... en gros, je voyage. Mais non, mais juste d'une map.
Ah non, et refais-le. Après, tu peux le retenter. Oh non, ça marche pas. Ouais, c'est quand même bizarre, comment ça fonctionne bien, quoi. Déco-reco, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, déco-reco. C'est il fallait qu'il y en ait un qui plante, hein. c'est y a rien qui peut se passer correctement, c'est incroyable. Ben, ça va, y a pas de queue. Mais j'ai pas dit que c'était ta faute, j'ai dit à chaque fois on a les éléments contre nous, c'est chiant. Ah, en fait, elle a étalé de la merde sur le chapeau pour le refiler à My Hero. C'est ça. Waouh, ça a l'air bien. Ouais, je fais cette position. Voulez-vous démarrer le voyage maintenant? Ok. La pop-up ne s'enlève pas. Eh ben, voyage à la main. Et trop bien ta potion. qu'est-ce que je te dise? J'en sais rien, moi. Tu dois être le seul cas isolé à qui ça arrive. Putain, je devrais stream pour montrer. Putain, oui. T'es sûr que tu l'as bien donné à bouffer à ton truc? Ah ouais? Il y a bien écrit autopiloté dans les caractéristiques de ton truc. Et juste en dessous de l'XP donné. Monture autopiloté. Tu bugs. Elle a assez d'énergie, elle a assez de... Oui, est-ce que t'as assez d'énergie sur ta monture? Tu es dessus. Oui, oh, mais ça veut rien dire, parce qu'à chaque changement de map, tu perds un d'énergie. Elle a 966 d'énergie. Oh, mais ça devrait passer. Bah, descend, remonte de la monture, je sais pas. Ah ouais. Ah oui. Je déteste qu'on me fait « ah oui ». Bah, juste jusqu'à cette position. Voulez-vous démarrer? Oui. Pourquoi il met annulation alors que la pop-up elle s'en va même pas? C'est nul. Bah t'envoies un ticket au support maintenant. Enfin pas maintenant. T'aurais une réponse dans une semaine. Apparemment il y a des... Sur le forum il y a des bugs autopilotage mais... Il semblerait que le problème survienne principalement après une longue session de jeu, mais toi c'est pas ton cas. Une longue session de jeu... Alors, ça fait peut-être 2 heures que je joue. Ah. Oui, mais tu viens de Décoroco, donc c'est pas normal. Ouais. Peut-être qu'il faut vider le cache. En vrai, c'est jamais une mauvaise chose de vider le cache. Bon, qui en est où? Ben, j'ai rendu le chapeau à My Hero. Et apparemment, Jake aussi. Je vais rename ma monture cannabis. cannabis, Il n'avance pas beaucoup, cannabis. Qu'il est con. Amener à My Hero. Faut aller voir Danator. Ouais. Bah on attend Thomas, parce après, on fait que lui dire attendons. Oh, regarde, je suis là. Mais nous, on l'attend jamais. C'est bon, je l'ai vu passer. Donner le chapeau. Foi. Danator, il est à Tours, là-haut? Il est, ouais, au palais. Le zappi le plus proche et l'atelier des bijoutiers. C'est une référence à Faramir dans le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui n'y ont pas. Oui. Faut aller voir Annick, mec. Mécanique, lol. Est-ce que j'y vais en autopilotage? Mais en vrai, t'as juste à cibler, genre, domaine ancestral, et tu fais voyager jusqu'à cette position. Oh, mais c'est trop fort. Ça suit même les flèches. Ben, ça suit les flèches de repères. Ah. Oh, c'est trop bien. Pourquoi ils l'ont... Pourquoi ils l'ont pas mis avant, ce truc? Parce qu'avant...
C'était un peu compliqué avec l'ancien système d'agression, en fait. Ah, pas con. Oh, je suis parti, là. Je touche plus à rien, je suis parti. Allez, va voir mécanique, c'est parti. C'est quand même un peu plus rapide avec les apines, je trouve. Ouais, je sais, mais je voulais juste le tester avec la flèche. Ça fonctionne vachement bien. Mécanique, ouais. Il est où? À l'atelier des bricoleurs, c'est ça? Vachement bien. Non. Oui. Si. Si, si. Ah oui, ça fonctionne vachement bien, moi. Je suis très content. Chais, Thomas, chais. Alors, chais. Ah, c'était vachement bien. Demander un badge. Oh, faut payer. Faut retourner voir Danator. Ouais. Oui. Non, c'est bon. Je me suis TP. C'était rigolo la première fois. Oh, mais pour aller voir Meriana, mais c'est trop pété. Oui. Il se trompe jamais. Ben non. Même dans... ben, en fait, grâce à ça, tu vas pouvoir sortir de ton labyrinthe, Guillaume, pour faire ton succès d'exploration. Non, parce que ça fonctionne pas dans certaines zones. Ah ouais? Oui. C'est nul, ce jeu. Certaines zones, tu peux pas le faire. Bon, faut aller voir Turin. Pas le labyrinthe du Dark Blood. Turin, ben il a Maïro. Enfin, oui. Il a la milice. Il est où, Turing? À la milice. Putain, mais... Non, mais vous n'écoutez rien, c'est incroyable. Tout le monde est à la milice? Non. Non. Ah oui, mais maintenant, il faut aller où à la milice? Dans la milice. Incroyable. Oui. On va en haut. On va en haut à gauche. Je suis sûr que c'est là. On prend l'escalier qui monte. Merde. Cher. Oui. On repart voir mayonnaise. Jake, tu prends l'escalier qui monte. Oui, ça chargeait. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, on dirait qu'il attend là sur le côté de la map. Alors que c'est juste le chargement quoi. Il manque encore quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il manque? Vous obtenez un formulaire et vous devez double-cliquer dessus. Il peut pas lire. Il est où le formulaire? Dans ton inventaire. Ah, il est dans le consommable, faites attention, il est pas dans l'objet quête. C'est terminé. Aïe aïe aïe. Je sais pas pourquoi je sens qu'on va combattre à My Hero à un moment donné. Jamais. Non. Non, jamais. Genre jamais. Zut. Je devrais faire ça, un jeu vidéo où à deux joueurs où genre le boss final c'est d'affronter ton pote. Pokémon. Non mais à deux joueurs. Tout le monde a lancé la quête poison de Scorbut. Oui. Donc on va en haut à gauche. On prend l'escalier qui descend en face. Merde. Ah mais il y a plein d'avis de recherche, je vais les prendre. Les patates. Il y a les patates, prenez-les, ça se revend cher. Attends. Oh, capitaine fracasse. Oh non, pas Nelwen. Bon, on a lancé une quête sur quatre qui demande de faire Nelwen. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Mais c'est l'escalier qui descend. C'est le roi de Bonta, Nelwen. Le roi de Bonta. Non, pourquoi? C'est pas Nelwen le roi? Mais non, c'est le roi Beldarion. Ah oh, putain, Nelwen le roi. Putain. Merci. Elle est passée de justesse, hein, celle-là. Je crois qu'on en a perdu deux là. Hein ouais, on en a perdu deux. Vous prenez tous les avis de recherche? Ouais, mais on peut pas prendre le prince marchand, je ne sais pas pourquoi.
Puisqu'il faut avoir un certain niveau d'alignement. Ah. Il y en a d'autres au fond ? Oh oui, il y en a plein. La Wash Kiwi ! Elle est immonde ! Je les connais pas, ceux-là, la vache kiwi. Du pain dur. Mais mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Ouais, mais là, ça correspond plus. On recherche Mowgli. Attends, il faut tout ce que je les regarde. On recherche Crasper. Ça, c'est bon. Arter, on recherche Glandalf les gris. On recherche le sans-visage. Oh putain, oui, je l'ai pas vu. Apparemment, Draken, il dit, n'oubliez pas de faire la suite de quête pour le succès Crossmoz. Oui, on va le faire, t'inquiète pas. Le Phantom Breeder. Oh mon dieu, mais... Mais je les ai jamais fait, ceux-là. Dharma. Non. C'est quoi, ça, Dharma? Je comprends pas. Une tornade Dharma. Carter, le Pilar. Bon, celui-là, je l'ai. Gobrochon. Mon dieu, c'était bien drôle, la vache kiwi. Elle est où, la vache kiwi? Elle est dans quelle zone? Dans un arbre. Pourquoi dans un arbre? C'est une vache kiwi. Ok. Mais Roubignol, je le connaissais déjà. Bon, bref. Faut aller où? Bon, ben, on va faire le donjon Gourlot. Hein. Non. Quoi, non? Non, j'ai pas envie. Il va falloir, hein. Non. À qui on échange nos alitons? Marchand de la milice? Oui, me semble, oui. Ah oui, c'est là. Pour avoir une bon tic. Oh, un anarchement de dragodin de Bontarien. De Muldo. Ah. Oh, le Bouffetor. Putain, il est joli, le Bouffetor. Attitude flamme bontarienne. Zéro de résistance. Bon, par contre, les caractéristiques sont mauvaises. Mais il est beau. Déployer les ailes. Ah, est-ce que vous avez fait l'énigme du pont de la mort? Ben non. Non. Ah, bon, ben va falloir venir sur l'île d'Otomaï alors. Putain. Genre là maintenant? Eh oui. D'accord. Non, juste pour être à jour. La quête poison de Scorbut pour la prison, je suis à l'étape où il va falloir vaincre Nalwenn. C'est tout ce qu'il fallait faire ici, là. Oui. Ok. Je l'ai faite avant-hier. C'est marrant. D'accord. Non, c'est pas drôle, l'énigme du connard, là. C'est bien village côtier. Du coup, on va où? Tout au nord de l'île. Île d'Otomaï, le village côtier, et vous allez tout au nord de l'île. Grâce à mon autopilotage. Et où j'y vais de suite. Tu prends le zap. Tu vas dans ton havresac, tu prends le zap. Île d'Otomaï, village côtier. Qu'un seul zap à Otomaï? Il y en a un tout en haut de l'arbre. Il faut aller tout au nord. Oui. En moins 56-0. Bon, 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 bon. C'est trop bien. C'est juste génial. Bon, je vais essayer. Ah, j'ai pas fait mon almanach aujourd'hui, faut que j'y pense. Moins 56-0. Et vroom, 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 vroom. Il faut aller à moins 56-0. Oui. Oui. Tu fais clic droit, tu voyages. Oui, oui. Et t'es tranquille maintenant, Guillaume. Tu ne pourras plus jamais te tromper de... Est-ce que c'est en haut? Est-ce que c'est en bas? Avoue que ça te fait... Ça ne marche pas. J'aime beaucoup. Compris, Eric, quand t'as dit que ça prenait en compte le temps de chargement des cartes.
Dès que le chargement de la carte est terminé, en fait, il bouge de suite. D'accord. Genre, regarde sur mon écran de live, c'est... c'est... Il va très très vite, quoi. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis ton live. Bah là, je viens d'arriver, donc tu verras peut-être pas. Merde. Ouais, je sais. Non, j'ai cliqué sur joueur du grenier. On n'est pas pareil. Genre, il est beaucoup plus maigre que moi. Ah oui, d'accord. D'accord, ça va direct. J'ai pas croisé Palmito le menteur, je suis très déçu. Ouais. C'est la déception. Ce qu'il vient de faire, le crust, le palmifleur. Il vient de l'olé, non. Qui sont cons. C'est les pires du monde, les palmifleurs. Belladone. C'est un peu trop haut niveau pour ramasser de la belladone. 160. Il faut répondre quoi? Alors attends, on va attendre Thomas. Faut parce pas que là, ouais, faut être super précis dans ce qu'on répond. Tu réponds... À la question, quelle est ta couleur préférée? Enfin, pour moi, c'est répondre au pif, on s'en fout, quoi. Ah non, non, non. Si tu réponds au pif, tu... il te OS. De UC. Ah. Donc c'est pour ça, on va attendre. Mais comment est-ce qu'il peut lui-même connaître ma couleur préférée? Mais c'est sa couleur préférée que tu dois répondre. Bah, quelle est ta couleur préférée? Oui, mais... Bon, c'est pas grave. Il dit pas quelle est ma couleur préférée à lui. Il dit quelle est ta couleur préférée, donc la mienne. Oui, mais c'est pour tromper les gens. Uh-huh. C'est parce que c'est un gros Alors, con, lui. Tout le monde a commencé à lui parler? Faire accepter? Bah, j'attends. Oui. Donc, quelle est ta couleur préférée? Vous répondez surtout pas j'aime une autre couleur, mais vous répondez ce que vous voulez. Bah, vas-y, rose crème. Rose. Quel est le sexe de la personne qui n'est ni ton frère ni ta soeur, mais qui est l'enfant de tes parents? Quel est mon sexe? Oui. Je sais pas, j'ai jamais regardé. Donc là, vous êtes tous masculins. Ah bon? Sauf un. Bah oui, ton écaflip, ça a mal. Merde, je sais plus si on s'est croisé les bras. Alors, vous allez dans votre... Ah, on peut le regarder là. En bas à droite du chat, oui, émoticône. Et vous regardez si vous avez l'émote croiser les bras. Non. C'est... Et m'asseoir. Normalement, Jake, tu l'as pas. Hein. C'est dans divers, négatif, oh là là. Positif, attitude. Attitude. Et émoticône et attitude. Attitude. S'asseoir, s'allonger. Non, tu l'as pas, sinon on l'a pas. Non. Non, j'ai pas. Du coup, je dis non. Oui. Oui. Si tu pouvais équiper en plus de ta ceinture une monture blablabla. Là, ça va être le bordel. Alors, par contre. Donc, faut ouvrir votre inventaire, il faut regarder combien de pods. De libre, vous avez. Oh putain de merde. Ok Google. 2881 moins 1648. 1233. Donc si vous avez entre 0 et 499 potes de libre, vous répondez 100. Si vous avez entre 500 et 1499, vous répondez 200. Si vous avez entre 1500 et 2499, vous répondez 400. C'est si pas calculé avez... C'est bon? Non, attends c'est... Si vous avez plus de 2500, vous répondez 600. Voilà, merci. Allez, hop. Et la dernière réponse, juste par curiosité? Bah ça te tue. J'ai 5700, bah c'est la dernière réponse. Si tu réponds...
le 465 000, etc. Okay. Là, tu ITOS. ITOS. En gros, c'est, enfin, jamais personne ne peut répondre ça, en fait. Voilà. Oui. C'est la question. Quelle est la couleur de la dragodon blanche d'Henri IV? Oh putain, non, pas cette énigme. Pas de piège, elle est blanche. Ah. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Les chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Référence à Dorothée pour la jeunesse. Dernière question. Tout le monde est à... au nombre de noix de gros coco. Ouais. Alors, vous répondez un corbac normal ou un vilain petit corbac? D'accord. J'aime bien le jeu de mots écoute coco, c'est moi qui suis traumatisé par la question de la noix. Noix coco. Je ne sais pas. Traverser le pont? Oui, vous pouvez traverser le pont. D'accord. Ah, on va voir les Wessing. Et le donjon est en haut à droite. On va juste les voir, on va pas les taper. J'avais une question. Non. D'accord. Vroom, 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 vroom. Je vais tellement abuser de ça. C'est trop fort. Rentre. Alors on va attendre Jake. Ah, c'est la case du dessus. Il est pas loin. Du coup, ma question c'était où est-ce qu'on trouve les bouacs? Les bouacs dans le donjon des quoi? Ah, dans le donjon, d'accord. C'est là où j'ai raté le challenge. On rentre dans l'arc. Le saut de glace. On va en bas à droite. Ah, je me souviens de celui-là. Ouais. On prend l'escalier. Qui monte ou qui descend? Déteste ce putain de donjon. Et on parle au Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, bah, tu n'es pas de notre galaxie. On va se faire striker. Ouais, on va se faire striker. Salut. Salut. Vite, vite, rentrez, vite. Vite, vite, ça sent le piège. Mais le pauvre. Pas gentil. Oh non, il est là. Vite. Attends. Mais non! Mais c'est un putain de crack, quoi. Be friendly. Ça dépend, ça paye combien? Il est niveau 100. Oh putain. Ça me fait quoi? Il est niveau 100 et il a la même coiffe que toi. Ouais, j'ai vu. Oh. Quel copieur. Et oui, j'ai un problème avec l'écran. C'est pas Twitch. Ah ouais, il a pas Twitch, le type. Mais c'est un féca, c'est pas un genre, il a pas Internet. Oui, j'ai dit que c'était un féca. Grave bonne chance. Pas grave bonne chance. Qu'est-ce que... Je vous préviens, le... Envie d'aller sur Twitch. Le flib rend tout le monde invisible. C'est chiant. S. C'est lequel je préfère prévenir Jake. T'as pas Internet. Comment il joue s'il a pas Internet? Ça fait gros forcing quand même. J'ai mis des smileys, voilà. Tout le monde est prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Ah bah silence le groupe. Ah, avant, il te l'a volé. Il a perdu de l'énergie gratuite, hein. Il aurait pu utiliser une potion de rappel. Ah ben je joue plus en premier, c'est vrai. Allez, bim! Tu es bon dernier maintenant. Loser! C'est ça. Loser! Ah, regardez, c'est un loser. Il est nul. Ça serait bien de faire mystique, s'il vous plaît. Ouais. Jake, il va faire toutes les émoticônes. Ouais, mais il a pas les émoticônes chacha, donc... J'hésite à réinstaller le Dofus Pets pour pouvoir rééchanger
les montures et les... Et les... Les familiers que tu gagnes dedans. Que des sorts. Oui, que des sorts. T'as pas honte de taper un estropié? Il n'a qu'un bras. Il n'a qu'un bras. Attends, en fait, il a juste dit bonjour à Guillaume, il a levé son épée, après il est venu te taper? Oui. Il est complètement con. Non, il a perdu des points de bouclier. J'ai pas vu. C'est un donjon niveau... 2. Niveau 70. Niveau casse-couille, voilà ce que c'est comme niveau. Putain. Ah. C'était pas le flib. Ah mais lui aussi, hein, les gens invités. C'est le Boomba qui a fait ça, c'est pas le flib. Boomba. Hey, bah, le flib, il a... Boom. Allez, pétulant. Nul, zéro, fier. Ouais. Y'a plus personne ici ou quoi? Ah, tu as trouvé quelque chose. Bien joué, ça, bien joué. Blip. Il est mort ou pas? Il est là-bas. Non, toujours pas mort. Oh. Salut. C'est pratique ça pour passer. Voilà, ça fait un chemin. Bien joué ça, putain. C'est le bon jeu, c'est le bon jeu. C'est tout, ça sert juste à rendre visibles les mobs invisibles. Ouais, et non, ça soigne aussi les alliés dans la zone. Enfin, c'est un peu particulier ce sort. D'accord. Hop. Il s'appelle Canondorf. Oui, c'est le Canondorf. Ok. Tu peux dropper des boulets de Canondorf. C'est vrai. Allez, au revoir. Ah, il est devant. Il y en a un. Qui est je ici. Peux pas cibler. Si, diagonale de ton tofu. Il est là. D'accord. Ben, je vais le mettre. Paf. Voilà, il est juste à côté de mon tofu. Ah, bah, de toute façon, il est visible. Bravo, quoi. Merde, il reste combien? 1100. Okay. Et l'autre, mais non, j'ai pas la PO. Dommage, avec un CRA, vous les aurez tous rendus visibles. Oh, quel dommage. Salut Jake, il a découvert les smileys, il fait que ça maintenant. Ouais. Est-ce que c'était une façon déguisée de dire « Eh, je peux me rejoindre à vous pour faire la cale de l'Arche de Tomaille ?» Non, pas du tout. Oh, bah c'est dommage. Je suis au taf. Ah bah bravo. Eh bah bravo. Il est au travail et il regarde un stream. C'est indécent. Quelle indignité. Elle est belle la France. Elle est belle la France. Ouais, la France qui travaille, la France qui se lève tôt, mon cul, oui. Ça, la République. Je veux pas balancer, mais... De frites. Je veux pas balancer, mais heureusement qu'il est au taf, parce que c'est depuis le taf qu'il upload des vidéos, donc... Ah bon, bah heureusement qu'il est au taf, lui. Mais il s'est rendu invisible. Ah non, putain, mais c'est pas possible. C'est drôle. Non, ça ne l'est pas. Et hey ouais, m'a fait mal. Ça me rappelle un donjon dans Wakfu où il fallait c'était pas ouvrir un coffre. C'était juste comme tu avais dit, t'aimes pas les cras. Mais en fait, j'aime pas les cras, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai commencé de jouer à Dofus il y a moult années. Je sais même pas si j'avais encore un poil sur le caillou. Déjà un poil. Ouais. Genre, j'étais super jeune. Je pense que je devais avoir 12 ans quand j'ai commencé Dofus. Un truc du genre. Et j'ai commencé avec un CRA. Sauf que ça m'a vite pas plu, tellement c'était complètement n'importe quoi. Donc, j'ai commencé le jeu, le vrai jeu, avec un Xelor.
Oula, c'est encore plus n'importe quoi. Non, ça me plaisait. Franchement, Xelor, ça m'a plu. C'est, je trouvais ça vraiment très très cool. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'hésite maintenant de me dire est-ce que je reviens sur Xelor alors que tout a changé et que tout est devenu vraiment un peu n'importe quoi. Mais bon. Ensuite, j'ai joué à Nossa Modas pendant très longtemps. Et j'ai terminé sur mon Ekaflip. Qui est sur Pandore et qui est niveau 246, un truc du genre. Est-ce que vous voulez faire des challenges? On peut peut-être... Non, ouais, non, duel, ça va être chiant. C'est... On peut faire statue, moi j'ai la portée. Attaque, attaque le flip, s'il te plaît. Parce que pour moi, il n'y a pas de problème à faire duel. Bah, c'est juste que le flip va se rendre invisible en fait. Et on sait pas où il va aller. Ouais, bon. Il rend tout le monde invisible. Et j'ai pas relevé la position de celui qui avait à côté de moi. Merde. Je crois qu'il est là. Non. Il est là ? On est invisible. Putain, mais. Il est là. Oui ! Pour ceux qui se demandent, il est là. Ok, il a changé de place. S'il faut, il est à côté de toi, hein, cela dit. Je crois qu'il reste au cac, lui. Oh merde, j'avais pas regardé le placement des ennemis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bon, on fait pas statue, alors. Merde. Je suis débile, moi. Oui. C'est pas grave, on t'en veut pas. C'est bon, mais moi j'ai commencé à taper le Barboussa. Donc non, Guillaume, tu vas taper le Flib, si tu le retrouves. Ouais. Parce que là, je sais pas où il est. Aux dernières nouvelles, il était là. Ouais, aux dernières nouvelles, je sais pas s'il a bougé depuis. Donc au pire, tu te mets au milieu de la zone verte et tu fais perception. Ouais. Par contre, moi je vais en chier pour retrouver... Ça. Je peux faire perception. Ah, bien joué. Voilà. Et ça te soigne, toi. Okay. Ça soigne en fonction des gens dans la zone d'effet, je crois. Mais je sais pas si ça le soigne que lui. Je crois que ça soigne tout le monde, hein, je suis pas sûr. 384. Je m'en souviens plus de perception. Parce que j'utilise la... Oh, salut. La variante. Ouais, j'utilise la variante. Qui fait que je gagne de la puissance en fonction du nombre d'ennemis dans la zone. Ce qui est, soyons honnêtes, très fort. Ah, ok. Et pourquoi je suis là? Parce qu'il a fait un tour de magie. Il a transposé la position. Merci. Qui s'éclate. Ouais, hein. Ah, c'est dommage que j'ai pas une attitude que tu connais, Louis. Qu'on aura niveau 190. Moi, en plus, je lisais les émoticônes chacha. Oh, vas-y, nargue-le. Non, mais sur Macra, pas oh, ici. Oh, t'es nul, hein. Ouais, désolé. T'as tout cassé les jolies chaussures. Je peux savoir pourquoi mon tour a été sauté. Parce que le flip a peut-être dit cher. Oui. Le flip, il t'a fait un tour annulé. Avoue que t'es heureux, man. À droite de passer. Je le rapproche pour faire rappel et faire les tours beaucoup plus fluides. Allô le monde. Il l'a refait. Sérieux? Il l'a refait. Ah, c'est bien ce jeu. Il est drôle. Ouais, faut qu'on soit la cible du flib. Eh ben non. Pan. Et en plus, il se moque de toi, quoi. C'est la vénère attitude.
Et pourquoi? Comme ça, il pour éviter qu'il tape de taper Jake. Guillaume. Genre, ah, pourquoi? Bah, pour essayer de faire le châle. Un jour. Aïe. Ouais. Ça s'appelle manger un mur. Viens me le dire de profil si t'es un homme. Ouais, ah, super, c'est moi qui ai un masque. Gzz. Non, pas gzz. Mais j'ai vu pour animer. Je kiffe. Ah, pas moi. Depuis d'outre, ah là là. Ah, j'ai droppé un truc. J'ai droppé un crâne de pirate. Oui. Mais pourquoi? C'est une quête de l'île de Moon. Qui nous demande de venir ici? Incroyable. Mais non, heureusement qu'on a pris toutes les quêtes avec Guillaume. Toutes celles qu'on a croisées, vite, je veux toutes les quêtes. Mais tu fais bien, Guillaume, hein. Il y a des succès, c'est faire plus de 1200 quêtes, donc vas-y. Non, t'inquiète. Ouais. 1200 quêtes. Bon, bah je vais utiliser du pain, vu qu'on m'a putain de d'enlever 300 points de vie, là. Ouais, c'est ça, fais une merdouille, là. Allez, ça lag, putain. Je trouve ça marrant. Mais c'est nul à chier qu'ils aient fait ce système de feu d'artifice et que ça lag à balle. Depuis 1.29 en plus, hein. Ah, celle-là, ça va, il n'y avait pas trop d'effet, donc... Attends, grande feu d'artifice multicolore fontaine. Non, on fait pas ça, s'il te plaît. Non, bouge, fais autre chose, non. Waouh. C'est quoi? Vite, oui, merci, parce que là je sais plus. Bah là, si on reste, comme ça, je pense qu'on aura peut-être le succès terminé à côté d'un ennemi. Hardy. Voilà. Il faut. Bon, voilà. C'est pas le succès de challenge. Non, Ecodom. Oh là 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 là. Bon, on va peut-être pas faire Ecodom. Je vais prioriser. Mais taper. C'est bon, on a fait le succès, donc on est plus obligé de faire des châles. Tranchage mortel. Suce à l'ennemi. À l'abordage. D'accord. Charge. T'as vu le nom du sort, passe ton tour noob. Passe ton tour noob. Pas mal, j'aime beaucoup. Titi. Okay. C'est bien parce qu'en plus il est pas du tout bloqué entre moi et le tofu. Trop bien, on adore. Moi aussi je sais le faire. Hein. Ok. Bon, et bien. Passe ton tour, noob. Waouh, des dommages. Merci. Putain, oh, putain. Il était où? Il était où, putain? Lui, il était là. Eh non. Le bluff. Ils étaient par là. Ah, il y en a un par là-bas. T'as chié le châle. Tranquille. Bah, je crois rien à foutre, là. Il y avait personne. Ouais. Bon, bah tant pis. Ah. Mais ah. Bon, vous m'appelez quand je pourrai rejouer, hein.
Il est impossible à faire seul ce donjon. Si on fait que passer des tours. On a dit que du coup on s'en fout des machins. Oui, 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 vas-y, tape qui tu veux. Tape, ah. Tu sais qui. Ah. Je vais me suicider. Je vais sauter de mon balcon. J'ai juste me péter une jambe, c'est tout ce que je vais réussir à me faire. Tes voisins ils diront chut. Mais qu'est-ce qu'il fait encore cet abruti? Fonctionne bien alors cet ampoule. Ouais ouais tant mieux hein. Ah ah quoi. Vas-y tue le flib là. Merci. Il fait des mouvements de danse un peu chelou lui. Ça sert à quoi tout ça là? Un tacle 4P. Libération. Je rigole. Ouh. Ouais. Voilà. Le truc est énervé. Pousse-toi, toi, tu me gênes. Quand je parle à mes maîtres. Mais pousse-toi, toi, là-bas. Mais ferme ta gueule, toi aussi, putain. Regarde-toi ton calcif, là. Tu fais miskin, mais tu viens de briser mon ami. Oh. T'es pas un homme, t'es qu'une victime. T'as un problème avec ton slip ou quoi? Putain, vas-y, vite, on se casse d'ici. Oh putain. Mais t'en as emmagasiné combien? Je vais à chaque fois que je veux au Havre sac. Oh mon dieu. Moi j'ai arrêté quand j'ai vu qu'on pouvait pas avoir de trucs intéressants dans ce truc. Je sais même pas comment je les obtiens ces trucs. Ils viennent le dire. Voilà, oh là, oh là. Celle-là était violente, c'est non, bon. Non, celle-là, ça allait encore. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y avait plein d'effets pourtant. Bon. Bon. J'ai retourné. Tout le monde est prêt? Et c'est pour ça que j'ai dit ça. Il manque un monstre là, non? Non, pourquoi? Pourquoi on n'a pas reçu le succès monstre? Ah, on l'a peut-être reçu, mais comme j'ai 20 oui. millions de succès que j'ai pas validé. Oui, ouais, on l'a débloqué. D'accord. Moi j'ai pas eu de succès là. Si, on l'a eu, il y a deux maps. Il y a deux salles. Dernier. Je sais plus quoi dire pour moi. Mais c'est dernier, pas premier. Oui mais... Je te laisse duel avec lui. Trinquons ensemble, d'accord. Ça y est. Putain de merde. Tu peux taper le 930 s'il te plaît? Non. Ah non, t'en as un à côté, le flib. Non. Ah non. Rick il est avec nous là. Allez, fuck. Ah mais je pensais que c'était autour de... Et non, le flib il a annulé son tour. Et j'ai vu ça. Il a fait trinco ensemble, Boussaillon. Ah. Bah tu vas pouvoir taper le 930 toi. Ouais mais attends, je touche le... Viens ici. Oh.
Moloto TTV, hello, quel serveur? Nous sommes sur Elisaël. Bon, je sais pas où ils sont. Pas de chance. Ouais, tant pis. Il y en a toujours un à côté de toi ou pas? Moi, oui. Ah, il y en a même deux. Pourquoi dommage, Moloto? Peut-être qu'il est sur un autre serveur. Parce qu'il est sur un autre serveur, peut-être. Ou qu'il préfère les serveurs multicomptes. J'avais pas vu qu'il y avait le temps de... le stream. Oui, c'est nouveau, ça. Je joue en team, maintenant. Ok. Voilà, il préfère les serveurs multicomptes. Quoi, il y a marqué Imagiro se rend visible? J'étais invisible? Oui. Oui, le flip il rend tout le monde. Ah ouais, ok. Donc si tu te déplaces et que tu restes invisible, les monstres doivent te chercher eux aussi. Sauf que bizarrement, ils savent très bien où tu es. Non? Message chat. Huche, meilleur serveur. D'accord. Huche. C'est vraiment le nom d'un serveur, Huche? Oui, parce que c'est un monstre. Enfin, un monstre. C'est un personnage dans le film. C'est un monstre. T'offres-tu une vie? Mais quand même. Ah! Viens par ici, toi. Ça c'est fait. Mettre ici. Ah. Jake, allez, tu peux enfin jouer! Oh! Il y a d'autres ennemis autour de nous à part lui ou pas? Non, non, non. Non, lui. Voilà. Oh mon dieu, prochain tour, on va tellement mourir. Moi, je vais mourir. C'est j'annonce, hein, je suis mort. Putain, c'est vrai que si on finit pas le tour avant. Avant de suivre Guillaume, je suis mort. Tu peux t'avancer ou pas? Plus vers moi. Est-ce que tu vois où je suis? Ah oui. À Babelwed-les-Bains. Bon, j'ai fait un sacrifice. Non, mais c'est pas grave, hein. En vrai. Il faut aussi que je protège Jake, non? Parce que 166. Non, mais on peut essayer de finir avant le prochain tour de Guillaume. Ça, c'est complètement possible. C'est pas le challenge, alors. Ah, la musique s'est arrêtée tout d'un coup. Bah, oh, 3 PV. Elle vient par là. Allez. Et évidemment. Et là, tu passes ton tour et je meurs. Vas-y, c'est pas grave. Hein. Oh, bien joué. J'étais pas prêt à ça. Je pensais qu'on allait tous prendre les dégâts, pas que lui. Putain, à 1 PM près, je pouvais le faire. En fait, son sort s'est d'abord activé sur lui et après il se serait activé sur nous s'il était vivant. Ouais. D'accord. Bon, faut que je vous explique le fonctionnement du boss. Arbroussa? Non, Gourlo le terrible. Donc, le boss est invulnérable. Il a 200% de résistance dans chaque élément.
Donc pour le rendre vulnérable, il va invoquer. C'est pas suffisant. Il va invoquer des tonneaux qui auront une résistance dans un élément en particulier. Donc il faut faire en sorte que Gourlaud le Terrible commence son tour à côté de ces tonneaux. Et pour que le tonneau donne des faiblesses au Gourlaud dans l'élément du tonneau. Donc si le tonneau a par exemple des résistances en R, le Gourlaud aura des faiblesses en R. Tour d'après. Au tour d'après. Voilà. Ça se déclenche quand c'est à lui de jouer ? Quand c'est au tonneau de jouer, oui. D'accord. Donc ce que je vous conseille, c'est de finir en diagonale des tonneaux. D'accord. Est-ce que tout le monde est pris ? Est-ce que tout le monde a compris ? Oui. On va essayer. Oui, au pire, on va le redire en le faisant, hein, t'inquiète pas. Ouais. La première chose qu'on va faire, c'est clean les... Ah, attends, c'est quoi les succès ? J'ai oublié. Premier ? Économe. Ouais, non, c'est mort. Et... Attends, il y a économe et... Premier. Donc non, on les fera pas. Hein. Ouais, je pense que là, on va oublier. Oui. Tant pis. Même premier, on peut pas le faire. Donc en fait, première chose qu'on va faire, on va nettoyer. On va surtout virer le flib. Oui. Ah, en ouais, premier, ce serait bien, parce que c'est un petit con. Donc virer le flib. Bon, Barbroussa et Sparrow tomberont après. Et si on peut commencer à setup le Gourlaud, toi et moi... Louis, ce serait bien, vu qu'on sait comment il fonctionne. Ouais. Ouais. On va faire ça. Ouais. Ça va le Allez, faire. Allez, je clean. C'est parti. Ça va le faire. Il est pas compliqué. On va dire qu'il est juste chiant. Mais ouais, le problème, c'est surtout le flip, ouais. Est-ce que tu veux qu'on change de place, qu'on intervertisse les places qui vont ? Moi ? Non, j'ai la portée, t'inquiète. Hein. Thomas, il faut que tu fonces sur le flib en fait. Hein. Bon ben, ok. Parfait. C'est Eric qui n'a pas validé. Oui, j'attendais que vous soyez prêts, pardon. Le flib en dernier, non. Non. Non, malheureusement, excuse-moi Coco, tu risques de te crever en premier. Ah, mais tu vas vachement loin, toi. Ouais. Run. C'est bien ça. Ça te rend beaucoup plus polyvalent. Hein. Ouais. Ah, ben non. Pas tant que ça, désolé. Tape les tonneaux ou pas ? Oui. Non, les tonneaux qu'il va invoquer, non, ils tapent pas. Ils ont dommage très peu de vie aussi. Là, bah, commence à taper le barbou. Ouais. Je peux mettre un chat ou pas ? Oui, tu peux. Oui, oui. Ah, peut-être qu'il va taper les invoques après. Bon, on le tuera peut-être si on a besoin. Oui, tu peux si tu veux. Waouh. Impec. Oh oh. T'inquiète, il tape pas trop fort, je crois, le boss. Hein. Aïe! La vache! Mais il a moins 22% R, donc j'en ai profité. Ah. T'inquiète pas, c'est pas moi qui fais des gros dégâts comme ça. Ça va, t'es bien entouré? Tu t'éclates? J'aurais promis un masque qui fait J'aurais fait pareil. Pas ça que je fais. Okay. Alors, c'est un tonneau terre. Oula ! Oui, t'as pas fort. Bah à l'époque. À l'époque.
Mais ça y est, ils sont tous morts. T'aurais pas dû faire ça, parce que là, t'es ta clé. Ah non, t'es invisible, donc t'es pas ta clé. Oui, t'es invisible. Je m'en vais. C'est une bonne idée. Oui, comme viens. Mets-toi. Est-ce que tu as troqué tes clés? Je peux commencer à faire un... Je sais pas... Attends, je t'entends plus. Ça me lit pas, dommage. Mais il a... Parce qu'il est full résistance, ouais. Comme tu lui fais pas de dégâts, tu peux pas te soigner dessus. Ouais, le chaton. Il a attaqué qui, le chaton? Par où? J'arrive. Les ennemis, ils sont pas loin de nous. Normalement, oui. Normalement, si je dis pas de bêtises, y'en a un, là. Putain. Ah, ils sont pénibles. Bon, je sais pas où ils sont, ça me saoule. Y'a pas? Non, ah, si, y'en a un devant toi. Devant moi? Ouais. Genre là. C'est... Y'a que les ennemis qui ont un sort qui permet de désenvoûter... Genre le passe ton tour, là? On non, aurait un rip ça, peut-être 3. qu'il aurait pu l'enlever. Ouais, mais le problème c'est que devant moi c'est potentiellement un tonneau. Non? Y'a personne ici. Devant lui y'a quelqu'un. Bah non, plus maintenant. Ah, mais il a bougé, merde. Là y'a des gens. Ah oui. Ah merde, c'est le tonneau. Qui c'est que t'as tapé? Le tonneau. Ah, j'ai une ligne qui apparaît pas dans mon chat. Nos pirates. Génial, celui qui est dans ton centre. Ah non, c'est une nouvelle émotion. Ah, ils sont tous là. Ok, j'attaque. Tu peux peut-être te mettre un bouclier, non? Ouais. Ouais. Commence par te mettre un bouclier et tape le barbonsa. Tape le barbonsa, ouais. Il est pénible. Ouais, okay. Celui en bas. Avec son gros chapeau pirate. Oh, en plus tu le tues. Genre tranquille. Impec. Moi je vais pas pouvoir jouer, mais c'est pas grave. Mon tofu, oui. Je vais taper dans le Sparrow, tant pis. Ouais, vas-y. Bah, il pourra pas atteindre le flib en fait, c'est le problème. Ah ouais, ouais. Il a pas beaucoup de cœur, hein. PM? Ben oui, il avait plus assez de PM. Oui. Il a moins de PM qu'un tofu normal, l'albinos. D'accord. C'est comme ça. J'ai tellement galéré à trouver un tofu dans la Machina. Tofu normal. Et que des kamikazes ou des mutants, mais il n'y a pas de tofu normal. Ah bon? J'en ai trouvé un, c'était un groupe énorme. Il fallait juste que je fasse un challenge dessus. Oui, oui, c'est une marque aussi. Hein. Bon, il aurait invoqué tous ses trucs. Oh la vache. C'est bon, il a une... Non, au prochain tour, je pense. Au prochain tour, s'il bouge pas, ouais, on va pouvoir le taper... Le taper... Désolé. Je peux pas tout faire. Non, mais c'est pas grave. Donc, essayez de me garder en vie, si vous pouvez. Ouais, ouais. Ça va être dur, mais ouais. Promis. On essaye. Allez. Tu le flibes. Putain, mais il veut pas. Merci. Tu n'as pas tué le flib. Non. Donc je vais pas pouvoir rejouer. C'est pas grave. Je sais pas quoi faire. Non, en vrai, c'est pas grave. Yo. Oh là là, 4 PA au Sparrow. Si tu peux commencer à taper le Sparrow, ce serait cool. Si, là tu vas pouvoir jouer, il l'a pas fait le. Ah, si, il l'a fait. Les infos vont trop. Il aurait fallu que tu pousses après ton sort. Et super, le chat a pris la place du. Ok, prochain tour, il est mort. Survie, Fioro. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme tonneau? Il a fait un terre. Il a refait un feu.
deux feux et un terre. Et, écoute, si on arrive à mettre les deux feux, on peut pas. Pourquoi t'as un feu? Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, t'as pas un sort pour te soigner, un truc du genre? Flamiche. C'est bon, on peut le taper feu. Ok. Et c'est lequel? Il a invoqué un R, génial. Lui, pour aller le placer, bonjour, quoi. On peut le taper feu? Oui, ou me mettre des points de bouclier. Ah ouais, lui mettre des points de bouclier, ça serait bien, ouais. Moi, je vais essayer de te soigner, mais je sais pas trop comment faire, cela dit. Ah si, je sais, c'est bon. Merci. Si tu peux faire roue de la fortune sur Fiara, ce serait chouette. Comme ça, au moins, il pourra bien lui taper dessus. Attends. Ok. Voilà. Impec. Tu peux faire... Ah, je sais pas si tu peux faire fellation dessus. Normalement, ça le soigne. Mais... Oh, bien. 64, 64, 64. Putain. J'arrive pour te soigner. Après, Thomas, si tu peux aller là, sans tuer le tonneau, et faire une libé, je sais pas. Ouais, je peux. Un, 3, 4, 5, 6, 7, 8, PA, c'est bon. C'est bon, le dragon est OP. Tu vas survivre. Oui, tu vas vivre. Il les regagne au bout d'un moment, ses résistances, s'il est plus à côté d'un tonneau? Non, parce que de toute façon, le tonneau ne bougera pas. Ils ont 0 PM. Ok. Tu vois là, il a moins de 100% de résistance. Donc on est très bien. Allez, oh. Je peux pas le bouger plus que ça. Alors. Soit tu soignes un, soit tu tapes feu sur le boss. Ce qui risque d'être compliqué, cela dit. Ah non, tu vas faire... N'allez pas sur ces deux cases, là, s'il vous plaît. Ouais. Évite de tuer le tonneau. Ah ouais. Oui, faut pas tuer le tonneau, ouais. Ouais, fais top cage. C'est bien. Je peux rien faire de plus. C'est pas grave, c'est très très bien. Les tonneaux, ils attaquent ou pas? Non. Ça non, parce que j'étais juste à côté, c'est pour ça. Non, bon, ça c'est, bon, c'est la pire idée. On va faire des corbeaux. Passe ton tour, il est mort. Ah bon? Bon, je le tue, 700 PV. Non, 400. 89. Voilà. À moins de 200%. Ah, impec. Ouais, on a droppé une clé. Ouais. Arab Mablag. Amarak. Il y a quelque chose à faire sur la carte ou pas du tout? Non. On peut sortir. On sort et on va voir Tel Majeur. Très bien. On sort où? Bah, tu parles à Captain Flamme. Et après, tu sors du bateau parce qu'on peut pas se taper dans le bateau. Donc, tu remontes l'escalier, tu vas une fois à gauche, deux, et tu vas à la sortie. Et tu vas voir Tel Majeur. Tel Majeur qui est. En. La montagne des Koalaks. Voilà. Ok, c'est bon. Et lutin de cœur. On peut pas utiliser le havre sac sur l'île. Oh. Donc, utiliser une potion de rappel. C'est vrai que ça ira plus vite. Ça aurait été pratique. Montagne des Koalaks. Ça lag tellement la montagne. Oh ben, niveau 85. Et j'ai appris fouet. 85, pardon.
J'ai acheté, de le... J'ai acheté wow. Les pare-chocs de sagesse, je crois qu'ils font effet. Ouais. Fouet. Ça fait quoi déjà? Fouette un tofu, bouffe-tout, crapaud ou dragonné du lanceur pour déplacer des entités autour de l'invocation. Le tofu, ça repousse les alliés et les ennemis en diagonale. Le bouffe-tout, ça attire les ennemis en ligne. Le crapaud, ça attire les alliés et les ennemis en diagonale. Et le dragonné, ça attire les alliés en ligne. Quel bordel. Oh la vache. Ouais, on va peut-être pas utiliser fouet. Bon, on vient de lancer la deuxième quête qui demande de faire Nelwyn. Oui. Ensuite, est-ce que au temple Yop, tout le monde a lancé la quête de Rich Claymore? Normalement, oui. Qui s'appelle... Où est passée la 7ème compagnie? Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est je dans... l'ai. Dans la catégorie Crossmos. Oui. Découvrir la carte Number Anti-Crossed. Bah, tu peux aller au temple Yop, lancer la quête, Thomas. Ok. Et ensuite, il nous en manque une. Alors, c'est laquelle? À Makna, village de Makna. Alors, la quête se lance en moins 25-26. Non, il faut aller en moins 25-26. Oui. C'est l'onde de Sidimod, ça? Oui. Demander du travail. La 7ème compagnie a mystérieusement disparu. Ok. Ah, oh, j'ai pas les landes, la lande de Kanya. Oh putain. Moins 27, bon, ben, 26. Brakma. Moins 25, 26. Mais c'est une taverne? Oui. Zap de Brakma. Oh, c'est laglant de dire trop de gens. Mais pourquoi j'ai pas de créature là? J'ai crash, ça faisait longtemps, disons. J'adore la. la larve qui sait pas s'il faut aller à gauche ou à droite quand tu vas tout droit en bas. Ah. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Menu d'options. Limite dans passage créature 20. Ça sera mieux. T'étais à combien jusqu'à 40. Présent? Ok. Pourrais me réinviter dans le groupe, s'il vous plaît? Non. À chaque fois. Merci. Je veux pas vous affoler, mais je crois qu'il y a un moche qui me suit. Un moche? Oui. À cause de son chapeau. Toujours à cause de son chapeau. Attends, hop. Voyager jusqu'à cette destination. Vous êtes arrivé à destination. C'est con, hein, parce que sur la minimap, il me met le trajet. Hein. Et la pop-up veut pas se fermer. C'est le Tomise? Je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Par ici. Il y a Irène Hilar. Il y a Dremba. Qu'est-ce qu'elle vend, Dremba? Ah, c'est Brenda, putain. J'ai peut-être une bêtise. Brenda. Non, t'inquiète pas. Je parle à Brenda.
Ah. Oh non, pas les tribus. Ensuite. Il faut retourner à la taverne. Hey. La même ? Oui, oui. On est dans une dimension parallèle ? Ah non, pas la même. Bah où tu dis d'aller ? Faut pas aller à Nelwen ? Non, pardon, c'est la... Oui, c'est une taverne, mais c'est pas la même taverne. Faut aller en moins 27-17. Je lui disais aussi, attends, parce que le truc, il va de l'autre côté. Mais non. Non, faut retourner, faut bien retourner. Non, faut bien retourner à la même taverne. Ah, mais c'est trop de mémoire, je l'ai pas dans mon arbre. Oui, oui. Donc on retourne bien, hein. Moins 25, chose. 26. C'est plus rapide par Zap ou pas? Non. Je sais pas. C'est kiff kiff bourricot, je dirais. Pire expression. C'est la fameuse quête chiante avec les agresseurs. Les agresseurs. Les agresseurs. Tu m'en dirais tant. Il y a une mine avec plein de minerais rares par ici. Ouais, il y a surtout un gros dragon au fond de cette mine. Non, Volcar Ragnar, pas connard. Ah oui, pardon, c'est vrai. Volcar Ragnar. Ça a l'air tellement bien, des trucs automatiques. C'est pas trop mal, c'est vrai. Autant l'avouer, c'est pas mal. Et Jake vient... vient en haut à gauche. En haut à droite, pardon. En haut à droite. Il y a une super pancarte. Je suis pas intéressé. En haut à droite. C'est une lapine. Une démone. Une pin-up. Oui, c'est une pin-up. Mais... Sinon, vous savez qu'il est là. Imaginons, il nous attend. Tout le monde doit aller interroger la tribu des Pagnols ? Ouais. Non, j'ai pas reparlé à Dremba. Demandez si elle se souvient de votre passage. Oui, oui. C'est une tribu de chiens. Ah, faut commander une bière. Oui, les Pagnols. Ah, il y a Irène Hilar qui dit coucou. C'est des chiens. Des questions, ce ben, c'est les Ouginak. Genre, toi, t'es un chat et il y a une race de chiens. C'est les Ouginak. Bon, attends, je mets trop de mémoire en chose là parce que. Ouais, pareil. Ok, interrogez la tribu des Pagnols. Ça va lancer un combat. C'est là-bas, ok. Découvrir la carte. C'est bon, elle y est, c'est moins 21-25. Ah non, c'est pas ici. C'est pas en moins 21-25 ? Si, si, mais le combat, il est pas là. Oh là là. Découvrir la carte sortie du domaine ancestral. Non, c'est pas ça. Non, c'est trou de mémoire qu'il te faut. Une mémoire, interroger la tribu des palmes. Voilà, donc moins 21, 25. C'est bon, je vois le repère. Très bien. Il faut parler à Rodak. Il se trompe de personne, non? On va en moins 20, 24, c'est juste en haut à droite. Merde, on peut pas aller en haut. Il dit vraiment n'importe quoi, c'est incroyable. Hein. Désolé. Hein. Faut revenir sur tes pas et
et monter et après aller à droite, Guillaume. Ok. C'est Picard. Oui. Oh, pas Brumaine. Brumaine, Tanctoria. Les camps abandonnés des Massiens. Il est où? Très loin. Sur la gauche. Sur la gauche. Sur la gauche. Sur la gauche. En moins 28 degrés. Ah oui, c'est écrit en plus. Je suis en combat. Attention, quand vous entrez sur la map, un combat se lance. Ok. Et c'est un combat solo. C'est pas écrit. Ah d'accord. Et oui, je Draken, crois que il a dit oui. Oui, c'est solo. C'est un Zobal, un Enyi, un Feka et un Panda et un Yop level 70 et il faut tous les tuer. Oula! On se fait agresser par 5 PNJ? C'est la taverne? 5, 4? Non, faut aller en. 4. En moins 28-20. Bon, apparemment, on va se faire agresser par 5 PNJ et il est bloqué à cette étape. 4. Comme quoi, Kras, c'est pas si bien que ça. Mais ils ont que 600 PV. Ou a fait que. Mais ils sont 5, hein. Merde, je suis bloqué. Ils sont 5, oui, c'est surtout ça le problème. Ils sont 4. Bah, apparemment, il a dit qu'ils sont 5. Moi, je suis en train de les battre, ils sont 4. T'es déjà en train de les battre? Putain, mais... incroyable. Quoi un cra. Ah, je me suis fait agresser. Je me suis fait agresser. Blitzkrieg. T'es sérieux? Moi, il me demande tu as ragage, donc je vais dire non. Que j'aimerais bien taper la FK avant. Expertise. Et après, ça sera la Nini que je vais buter parce qu'elle va soigner tout le monde, ça va m'énerver. Ouais, Vagalam. Ah, oh, mais je sais pas si j'ai. Allez, en fait. Toi, tu m'as saoulé, tu dégages. Putain, mais qui c'est qui enlève des PA? La FK. Non! Eh, mon tofu! Ça fait très mal, hein. Enfoiré! À ceci, j'ai qu'une chose à dire. Tu m'y vis. Run. Moi aussi. Même pas. Je suis sous m'y vis. Car. Je suis mort. Je pense qu'on va en chier. Je pense que je vais mourir aussi. Le panda, il a trop de portée, c'est incroyable. Oh! Mais non, mais il me restait 10 PV. Mais qu'est-ce qui m'a tué? De toute façon, lui, il a déjà fini, non? Oui, ah oui, mais... je... Non, mais c'est je vais vous TP. Je vais vous TP au donjon. Ah, merci. Non, mais... Quoi? Il faut finir ce combat pour faire le donjon ou pas? Oui. Oui. Mais je vais vous TP, le donjon est juste je à côté. Sens qu'on va en chier. Mais je vais pas refaire ce combat, c'est sûr que je vais mourir, hein. Je pense que je peux le passer, mais je pensais pas que le panda me fera autant mal. Je me suis pas assez éloigné. J'en ai même pas tué un. C'est... Moi oui. Encore, heureusement que j'ai mis mon bouclier parce que je me l'ai enlevé en un tour. Ah, je peux pas vous TP.
Pourquoi ? Oh. Parce que la quête me bloque. D'accord. Bon, Ragnar. Je vais d'abord prendre le zap des roulottes et je vais redescendre. Comment ça se passe, Guigui ? Je suis concentré là. Ok, pardon. Il a l'air de bien s'en sortir. Tant mieux, tant mieux. Hey. Oh putain, allez. Cours Jake, cours. Éloigne-toi. Tu les taperas au prochain tour. Je peux pas mettre la carrosse. Un zap plus proche. Et la carotte. Ouais. Pas con la carotte pour bloquer. Reste là. Ah oui, bouge pas. Le chat va faire le taf. C'est le chat qui a buté les deux derniers, quoi. C'est vrai. Oui. T'as réussi, trop cool. Oui, il a réussi. Ouais. Ben moi, je vais d'abord aux apps de des Landes et je redescendrai. Pareil. Parce que si je recrève, j'ai pas envie de refaire tout le chemin. Pongo le massien, quoi, putain. Les petits vélos. Ah, les petits vélos. Ils sont trop cool. Allez, on redescend maintenant. Au moins avec tout le trajet. On retourne à l'auberge du Tomise. Ouais, mais on va attendre les autres peut-être. Oh, oui, tu risques d'attendre au moins 3 jours. Tu arrives à voir. Allez, c'est reparti. Oh merde, c'est la Nini devant maintenant. J'aurais bien voulu que tu la fasses pas. Ah, bon, ben on va éviter. Hop. Au revoir. Je suis favori une fois, pas de... J'avais pas un sort qui me permettait d'invoquer un double Zobal, moi. Sur Rockfu ? Ouais, sur Rockfu. Non, sur Dofus. Sur Dofus, je t'ai jamais vu le faire dans ce cas-là. Ça a très très longtemps. Oh, faudrait que t'invoques une arachne et que t'essayes d'en isoler un ou deux. Qui ? Bah toi. Et j'ai pas le sort d'invocation arachne. Non, putain.
Avocat chasseur fou, là. Avocat chasseur fou, alors. Qui a le sort d'invocation d'Arakne ici? Bah, Jake et moi. Jake. Il a acheté avec les Almatons. Non, même pas. Si, il a acheté avec les Almatons. Non, il a acheté en HDV. Ah oui, d'accord. Voilà, maintenant j'ai deux tofus, normalement ça devrait mieux se passer. Ils m'ont tellement éclaté le premier la dernière fois que... Oh merde, non, c'est pas... Bidouf. Oh mais il fait trop mal lui, c'est incroyable. Ouais. Ouais. Moins de PM s'il te plaît. Ouais, je sais pas qui t'attend en premier, hein. Bah, tape Lenny si tu peux. Voilà. Allez, c'est parti, j'y vais. La plus proche. Proche, c'est... Feka. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des trous au milieu, là, comme ça, hein. Je joue distance ou rapproché? Bah, plutôt distance, non? Ouais, vaut mieux. Parce que le panda, il t'éclate, hein. Comment j'ai gagné des points de bouclier, moi? Je sais pas. Non plus. J'ai déjà perdu 200 de vie. Oh putain, j'ai rien pour invoquer. Ouais, il va me chercher. Oh, je risque de mourir avec ça. J'ai fait le con. Non, c'est bon. Faut que je me rapproche un peu quand même. Donc 3 ici. Et plus le mot dans ta sale gueule. Allez, au revoir. Et surtout, gardez la monnaie. Non, le pavre! J'arrive à me toucher d'ici. Le panda, il a une allonge incroyable. Ah, non, c'est la Feka. Ah, bon, ben, ok. Qu'est-ce que je fasse? Tu battes en croûte. Merci Lenny. Oh, remercie le Zobal. Oh, remercie le panda. Et j'ai gagné. Comment ils s'en sortent, moi? Mal. Je peux pas me faire de bouclier. Elle a 10 000 PV. Hein. Tu lui as quand même mis un coup dans le tibia, au type. Et ça fait mal. Elle m'a bugué. C'est bon, je vais mourir. Je suis mort. J'ai pas eu un seul. Eh ben. Ça va être dur. Bon, ben, on essaiera plus tard. Hein. Toi, tu prendras mon perso, tu verras. Et tu essaieras le. Le. Autoguidage, là. Tu veux? On fait quoi alors? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
On va faire d'autres quêtes. Attendez, je regarde. On peut finir les... celle de la merdasse. On peut. Oui, on peut retourner à Sufokia. Ouais. Bah, je pense que c'est le mieux, non? Oui. Quête. Juste essayer un combat. Vas-y, oh. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai une quête que j'ai toujours pas mise à jour. Ouais, on va aller sur le film. Je peux pas la battre non plus. Allez, go, Sufokia. On va au rivage. Ou dans Sufokia. C'est pas du tout. Alors attends. Qu'est-ce qu'il nous reste comme quête à faire? Des bateaux œufrés et des étoiles dans l'estomac. C'est ça. Attends, pas que. Oui, ça, okay, non, ça c'est pour... une autre en plus. Dans le succès, le bonheur de la merdasse? J'ai trois quêtes, moi, pour l'instant, Sufokia. J'ai des étoiles dans l'estomac, collier en perles de vinaigrette parce que je l'ai pas validé, et vol au-dessus d'un coucou. C'est pas ça. C'est une quête qui demande d'avoir des ailes de scarafeuille. Ouais. Ah, peut-être que je l'ai faite. Moi, j'ai c'est du costaud, voleur en série, des étoiles dans l'estomac, comment se mettre au jus. Ok. Oui, mais il y a deux succès à faire, donc on va essayer d'en finir au moins un. Donc, pâte aux œufs frais, donc faut tuer des écarafeuilles. Ouais. Et des étoiles dans l'estomac. Faut tuer des étoiles dans la merdasse. Ça. Comment on a pâte aux œufs frais? Pâte aux œufs frais. Parce que moi je l'ai pas. 16-25. C'est dans Sufokia? Oui, je crois que c'est à l'épicerie, non? C'est pas ça? Je sais pas moi. Mais c'est après les perles alors. Parce que moi j'ai pas validé les perles. Et le PNJ il propose deux quêtes. Il propose pâte aux œufs frais et collier de perles en vinaigrette. C'est quand même bizarre que. Bon bref. Sufokia. À l'épicerie. Toi, t'es mort. C'est bon. Tu retentes le combat, Thomas? Non, j'en fais un autre que je suis bloqué dessus depuis 30 niveaux. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, c'est bon, j'ai les pattes. Et toi, t'es mort. Toi, t'as plus... C'est... J'ai Mascook. Oui. T'as choisi quoi? Bah déjà, je lui ai rendu une quête, et après, j'ai pris l'autre. J'ai dû peut-être la faire, alors. T'as peut-être dû rendre la quête, oui, déjà. Faut prendre celle avec les œufs. Ben là, j'ai choisi d'être acquérir les scarafeuilles ou opter pour la recherche de scarafeuilles. Ok. Voilà. Oh putain, j'ai le buté, quoi. Non, je passe mon tour. Donc c'est en haut, c'est la baie. Je sais pas.
Pour les étoiles de la mer d'Ers, oui. Je reviens. Crève ! Yes ! Putain ! Bravo, ah, t'as fait un combat, on sait même pas ce que c'est, et alors qu'on te C'est le combat contre Kachit. Ah, je crois que je l'ai toujours pas fait, moi. Ah si, peut-être. Je ne sais pas. Oh, putain. Voilà. Retournez voir Kerubin Crépin. Bah tu le feras plus tard. J'ai fait les barques et les perles de sable. Ok. Il me semble qu'il y en a une qui me reste, c'est des étoiles dans l'estomac. Oui, et pas ton œuf frais, tu l'as ou pas? Non, je sais pas où la prendre. À l'épicerie. 16, 25, tu faut qu'il y a. Ok. C'est la meuf qui fait la cuisine ou le vendeur? Le mec à côté. Scarafeuille. Mais prends aussi celle de la fille. Hein. Alors, elle en redonne ? Non, il l'a dit qu'il avait les étoiles. Il y a deux quêtes qui demandent de faire des scarafeuilles, donc autant faire les deux en même temps. Attends, c'est quoi les deux quêtes ? Pâte aux œufs frais et vol au-dessus d'un nid de coucou. Ok, c'est bon. Oh, niveau 85 pour Imagiro. Purée, mais je suis encore 83, moi. Mais comment ça se fait que tous les deux vous soyez en retard maintenant? Moi, j'avais donné 90% à la monture. Mais comment ça se fait dans ce cas-là? Je comprends pas. Pas grave, je vais faire mes doppels, je vais vite remonter. Oui. On va être occupé. Putain! Qui t'arrive? Je peux pas aller dans mon œuvre sac parce qu'il y a quelqu'un, qui me suit. Quelqu'un qui te suit? Ouais, de la quête de Kerubim. D'accord. Ah, bah t'as le petit vilain sec là, je sais pas. Envers quoi? Fais un combat et tu le perds. Et tu devras aller le rechercher avant de, d'aller voir Kerubim. Est-ce que je peux au moins prendre un zap? Ah, c'est bon. Sufokia. On est parti, Guillaume. Je suis par là, je profite de la plage. D'accord. Gauche. À gauche. Je suis à l'épicerie. Bien joué. Il me propose rien. Et elle me propose rien. Alors. T'as déjà lancé les quêtes. Sufokia. Des pâtes aux œufs frais, des étoiles dans l'estomac. Ouais, voilà. C'est ça. Ok. Vous êtes où? 14-22. À la sortie de la ville. En haut ? Ouais. Oui. Oui. Diagonale avant à droite du donjon. Ok.
On est samedi. Oui. Oui. Bon, je vous poserai une question à la fin du stream. Est-ce que demain on est dimanche? C'est bon, je suis là. Bon, faut trouver des étoiles de la mer d'Est. J'en ai beaucoup. Bon, il y en a pas. Bah, il y en a pas tant que ça en fait. Par contre, si on peut terminer à 19h, ça m'arrange. Ok. Mmh. Bah, il y en a aucune quoi. Voilà. Oui, on part. Je sais pas, moi je dis ça, je pensais que ce serait comme les sangliers agressifs. Ah, j'en ai deux là. Ouais, go. Oh, 4. Oh, où ça? En 8-21. Oh putain, 28. 8-21. Mais non. 8-21. C'est genre, t'as dit, oh là, 2. Oh, 4. Bon, je suis renchéri, 28. Où est Jake? J'arrive. Bon, faut essayer de faire le châle parce que le taux de drop n'est pas automatique. Super. Essaye de dropper quoi? On essaye de dropper des poudres d'étoiles. Ah oui, c'est vrai. Alors... Oh, ça va, c'est mystique. Ah, châle facile. Le premier qui utilise son cac. Non. Je les tripe. Bouge. Ah. Dommage. Ouais. Est-ce que... Ok. J'ai pas compris. Genre elle avait l'air vénère. J'ai un tofu qui va se faire plaisir. C'est claquette de l'extrême. Waouh. Fait n'importe quoi. Ouais, un peu, ouais. L'animation aussi longue, tout ça pour soigner. Ne tape pas les moumoules, Jake, elles ont 100% de résistance au haut. Ouais. Aïe. Ok. Bah décidément, t'arrêtes pas de faire des coups critiques. Ouais. Fait quoi? Rien du tout. Parce que personne est aligné ou en diagonale. C'est être en diagonale ou être comme c'est ça. C'est en diagonale le tofu. Je voulais juste voir l'animation du sort.
Et hey, j'en ai eu 4. Il en faut 10. Ouais. Un petit groupe avec une main. Attends, il y en avait 2 tout à l'heure. Ouais, il y en a 2 et 2. Ah, oh, cool, go. Oh purée, toujours plus loin. Mais toujours plus loin. Le châle de merde. On fait le châle ou pas? Non. C'est une map nulle. Picaboo, I see you. Merci. Donne-en plus à... celui qui est... Je fais ça à tout le monde hein, depuis tout à l'heure. Hein. Je peux pas le faire plus de d'une fois par... Personne. Par cible. Enfin... Ça donne qu'un PM, mais... Enfin bref, voilà. Non. Elles étaient pas assez loin. J'ai vite compris que c'était la seule chose que tu pouvais faire, t'inquiète pas. Gros jeu. Tout ça pour ça. Ah, bien devant là. Mmh. Mais t'inquiète pas, ah, je plaisir. Je suis un hélicoptère, Harry. Oui. Hey. On en a eu. Allez, le dernier groupe là et on arrête. Allez. Ok. Désolé. Mais c'est ah, pas ce qui était prévu. Ouais. Attends, il joue avant moi. Bon. Ah. Okay. Ouais, économe. Ça va les châles pourris ou... Mmh. Ah. On fait ou pas économe? Bon, d'accord. Ah, tant mieux, il nous a libéré le chemin. Ah, yes. Il est sympa. Bah, il sourit. Il sourit. Tu sais, les gens qui sourient, c'est pas forcément des super potes, hein. Ah bon.
c'est bizarre, toi, ton fond d'écran. Enfin, ton fond, il est pas noir, il est bleu. Oh, tactique. Moi, il est noir. Putain, mais... En fait, tu sais que t'as un jeu complètement buggé, en fait. C'est ça, le problème. C'est que ton jeu est complètement cassé. Mais vite, t'en caches. Oh là là. Oh. Et on en a eu à moitié. Bon, on va s'arrêter là. Je coupe le stream, on discute 5 minutes et je m'en vais. Okay. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Pour la suite des aventures, on vous le dira le plus vite possible, évidemment. Toujours pareil, Yvassan de Studio sur Twitch. C'est toujours pas Yvassan Studio sur Twitch, mais bon, c'est Yvassan. Venez sur Discord, Twitter et Facebook et faites pas chier. Merci. Allez, sur ce, la bonne soirée et à bientôt. Au revoir.